传千里，有缘爱相随。欢迎收看《缘来佳人》，我是张雅婷。来自法国的艺术家纪勇和妻子爱相随定居台湾，另外他还运用数位艺术的创作形式，挖掘出《易经》的多样性。法国人谈《易经》，不要怀疑，纪勇懂得《易经》可能比许多台湾人更多。毕业于卡昂高等美术学院，纪勇从素描的黑与白中与易经的阴与阳有了共鸣，因此启发了他的创作灵感。Je à l'époque donc j'étais étudiant aux beaux-arts de Caen et je m'intéressais à je faisais de la peinture et je m'intéressais à la dualité. Donc je peignais des toiles noires et blanches, noires et blanches et donc sur le concept de la dualité, le yin et le yang, et très vite ça m'a amené donc évidemment au Yi Jing. 汉教法文的老婆选择在台北定居，如何适应异地生活？纪勇透过拍照创作，以生活观察的方式来认识台湾。Pour m'adapter à la vie ici, je n'ai pas envie de, enfin, je fais pas spécialement un effort. Je m'imprègne donc de cette culture, des gens que je rencontre, des lieux aussi. Les lieux sont très importants. 看着纪勇一张张的创作，中国古籍《易经》变成了数位艺术，穿越古代和现代，展现微妙平衡。一个拥有东方心的西方人，深化了跨文化的艺术内涵。